Ezekiel me fait des menaces si je l'envoie en prison. Et il risque de m'envoyer des copains pour se venger s'il va en prison. Mais mort de rire, le cassos que tu es. Tous tes copains, c'est des virtuels. Tu rigoles ou quoi? T'as aucun copain dans ta vie? Aucun copain? Tes seuls copains, c'est des virtuels. Mais t'es sérieux? Bon, je sais bien que tu prends beaucoup de contre-mal, de Valium et tout, mais il faut diminuer la dose, hein, et tu te crois dans un film de gangster, là. Non, mais sérieux, tu crois que tu vas me faire peur avec tes menaces? Au contraire, plus tu vas me faire des menaces, plus tu vas faire ma haine qui est grandissante, et plus tu vas payer cher. Bon, je vais t'envoyer un vibromasseur pour que tu te le mettes dans le cul. Comme ça va un peu te calmer tes ardeurs de schizophrène, que tout le monde sait d'ailleurs. Bon, n'oublie pas que je te donne des cachets anti-douleurs aussi. Hein. Mais si tu veux, je peux t'envoyer des Valium, des Troxane. Ça va t'aider. Peut-être que tu verras des copains, des vrais copains, tu vois, dans ta vie. Bon, si on parlait un peu de choses sérieuses, quoi. Bon, moi je ne te ferai aucune menace, je suis pas débile. Mais bye bye, bye bye, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que Ezekiel passera un petit moment en prison. Ses copains, je les ai emmenés. Et je les encule. Ses copains virtuels, on s'en fout. Il n'a jamais eu d'amis dans la vie.